Mais bonjour la gang, encore une fois, c'est Valmont et il me fait plaisir de vous savoir sur mon blog. Là, je vais vous faire un petit tutoriel. Il y en a qui vont trouver ça bien niaiseux, mais par contre, ça peut aider bien du monde parce que des fois, votre ordinateur tombe au ralenti, elle va pas bien. Là, vous savez pas si vous avez un virus. Il y a un petit truc bien simple que je vais vous montrer, que la 90% du temps, c'est ça le problème. Mettons que votre ordi elle a bien, puis d'un coup, ça va pas bien. Ben, l'informatique puis Internet, c'est comme ça que ça marche. C'est des fois, vous allez sur un site, peu importe. Puis là, il vous installe des petits quelque chose dans vos programmes, puis vous n'avez pas connaissance. Exemple, une barre de recherche ou un petit trojan. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous en allez dans votre panneau de configuration. Vous voyez ici, panneau de configuration. Bon, un coup que vous êtes dedans, vous choisissez programme et fonctionnalités. Là, vous tombez avec tous vos programmes. Moi, tous les programmes qui sont installés sur mon ordinateur, là, vous les voyez défiler, là, ils sont tous là. Puis bien souvent, là, je vais sur Internet deux, trois fois, puis j'arrive, hop, je fouille, puis rendu ici, là, hop, il y a un petit programme de cachant de ces deux-là, là, qui n'avait pas d'affaires là. Un optimiseur, là. Oh, puis ils sont prêts à régler tous vos problèmes. Puis là, vous cliquez régler les problèmes. Puis là, ils te disent ça va te coûter 22$ pour avoir le logiciel pour régler tes problèmes. T'as 102 problèmes dans ton registre. Ben oui. Donc, c'est ça la patente. C'est tout souvent des petits programmes de même qui s'installent sur votre ordi à votre insu. Et qui fait que votre ordi est ralenti. Puis ils prennent le contrôle tranquillement de votre ordi. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je m'en viens, pardon, je m'en viens dans mon panneau de configuration, puis à force de le faire assez souvent, je le connais. Comme je sais que j'ai mon uTorrent, mon zip en haut. Puis là, j'ai mon jeu de camion. Puis là, après ça, je descends dans mes Adobe, dans mes A. Là, je sais que c'est toutes mes Adobe qui sont là. Les A. Oh, là, je le connais. C'est mon programme, hein? C'est mon programme. Mes Dell. Tu viens que tu les connais toutes. Là, tu tombes dans tes Microsoft, là, tu touches pas à ça. Tout ce qui est Dell, tu touches pas à ça. C'est qu'est-ce qu'ils m'ont leur dit. Fait qu'en fait, si tu y vas assez régulièrement, tu viens que tu connais tes programmes, puis à un moment donné, ton ordi va mal, puis que tu te promènes là-dedans. Puis là, tu vois un programme bizarre. Puis, comme ici, là, voyez-vous, ça me dirait qu'il faut que je désinstalle ça. Quand il n'est pas ici, là, quand il n'y a pas d'éditeur, déjà là, il y a de quoi de pas normal. Fait qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dessus, vous faites désinstaller. Une erreur s'est produite, puis il a déjà été désinstallé. C'est pour ça que, bon. Vous voyez, vous avez vu ce que j'ai fait. Vous cliquez sur le programme en question, puis vous faites désinstaller ici. Vous allez avoir la paix. Fait que c'est un peu ça, c'est simple, mais il y a bien du monde qui n'arrache parce que leurs ordi elle va pas bien. Puis la raison première, ben c'est ça. Fait que là, c'est ça. Vous allez dans votre panneau de configuration, vous regardez dans vos programmes comme il faut. Puis vous enlevez la petite bébite, puis vous allez voir que votre ordi va aller bien. Fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, puis bonne chance dans vos entreprises, puis à la prochaine!